Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, votre serviteur, Ngawala Francis. Ce matin, nous voulons parler sur la diversité des langues. Et comme vous le savez, lorsque nous entrons dans le vif du sujet et que nous commençons à détailler les dons, nous aimons les démontrer. Et vous serez pour nous, j'allais dire notre laboratoire, mais je dis plutôt par la foi, je crois que le Seigneur vous touchera au même moment là où vous vous trouvez. Parce que si le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur ce genre de choses, c'est qu'il y a un but derrière lequel il court, il y a un but qu'il veut atteindre, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, la diversité des langues qui fait partie des dons vocaux, c'est quoi la diversité des langues? La diversité des langues, c'est juste une aptitude de parler plusieurs langues, connues ou non connues des hommes. C'est pourquoi dans la diversité des langues, dans les langues, vous avez deux types de langues. Vous avez des langues inintelligibles, ça veut dire des langues qui ne se parlent nulle part sur la terre. Des fois, vous avez entendu des chrétiens prier Rabaché, Karaba, Korobo, Santere, Kechi, Kerebo. En fait, c'est des langues qui ne se parlent nulle part. C'est ce qu'on appelle également la langue des anges. Toujours dans la diversité des langues, vous avez aussi des langues connues des hommes. Et cela est très clairement établi dans Acte 2, que je m'en vais lire, parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, les gens ont manifesté également le don de la diversité des langues. La Bible dit au verset 8, mais comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre dialecte maternel? Nous venons de chez les Parthes, dirent les uns, nous de chez les Mèdes, et nous de chez les Alamites. Nous habitons la Mésopotamie, nous la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye proche de Cyrène, et nous venons de Rome et nous sommes de passage ici. Moi, je suis juif de naissance. Moi, j'habite l'île de Grèce et moi, je me suis converti à la religion juive. Et moi, l'Arabie. Mais alors, comment se fait-il que nous les entendions publier dans nos propres langues les choses merveilleuses que Dieu a accomplies? Ils ne revenaient pas de leur étonnement et ne savaient plus quoi en penser. Lorsque la diversité des langues vient, eh ben, les gens peuvent parler plusieurs langues. Les gens peuvent parler plusieurs langues. Je me rappelle, à l'époque, j'étais ouvrier à l'église de la Borne. Nous étions dans une réunion de la jeunesse. Et en pleine prière, le Saint-Esprit m'a rempli. Et j'ai commencé à prier. Pendant que moi, je ne maîtrisais pas ce que je disais, eh ben, j'étais en train de prier dans une langue qui est le Kimbandi, qui est un dialecte de chez nous au Congo. Et la personne à côté de moi s'est agenouillée, comprenant mot pour mot ce que je disais. Ce n'était pas forcément une prophétie. Mais c'était au moins une prière qui interpellait son esprit sur la réalité de la grandeur de Dieu. La diversité des langues, c'est également le thermomètre du niveau spirituel du chrétien. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que le parler en langue ne peut pas se limiter qu'à Rabayaba, Karabashi, Kabarabara. Non. Vraiment, ça n'engage que moi, mais j'ai lu la Bible. Je n'ai pas vu parler Shindabarabara. Non. J'ai vu que le Saint-Esprit peut nous remplir et que nous pouvons parler plusieurs langues. Et même dans Marc, la Bible dit, ils parleront plusieurs langues. Lorsqu'il parle des signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. Ils parleront plusieurs langues, avec S. Ça veut dire que la diversité des langues, Christ l'a même déjà annoncé. Et vous savez, lorsqu'il y a la diversité des langues, c'est juste merveilleux d'entendre des gens qui, dans la prière, tel est en train de parler chinois, l'autre est en train de parler hindou, troisième est en train de parler lingala, un troisième est en train de parler bété, un autre est en train de parler français, alors qu'il ne connaît pas le français. Il y en a. Donc, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est de se rendre compte que Dieu demeure le Dieu de la diversité. Alors, la diversité des langues ne crée pas le climat de la tour de Babel, rassurez-vous, parce que le climat de la tour de Babel, c'était pour diviser les hommes, les séparer. Alors que dans la diversité des langues, nous sommes unis par le lien sacré du Saint-Esprit, au travers et avec lequel nous avons été scellés pour le jour du jugement. J'aimerais que ce matin, tu pries avec moi, que tu dises, Seigneur, si cela est dans ta volonté, accorde-moi de parler plusieurs langues. Accorde-moi la diversité des langues. Et cela est possible, bien-aimé. Oublie un peu les langues que ta tête a retenues. Et commence maintenant à prier. Demande au Seigneur de te faire grâce. Demande au Seigneur de te remplir. Lui qui est dans les cieux, il remplira ta bouche. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour toutes ces personnes, Papa, qui nous ont suivis ce matin, qui ont cru en ta parole. Bénis-les,
Seigneur, remplis-les au nom de Jésus. Amen.